On va enchaîner avec une petite découverte. On en parlait tout à l'heure avec Eventis pendant le live peinture. Petite découverte de Raven's Watch qui est un Hades-like en coop, il me semble. Mais juste avant ça, mesdames et messieurs, ce mois-ci, je suis de nouveau en partenariat avec Oldskerm. Voilà, vous avez peut-être vu avec les logos, mais je suis de nouveau en partenariat avec eux. J'ai récupéré d'autres petits loot sur leur site. Mais pour ceux qui veulent une idée cadeau, voilà, Oldskerm, c'est vraiment une super bonne marque pour des montres, des bijoux, des accessoires éco-friendly. On a notamment beaucoup de montres avec des matériaux naturels comme du bois, comme différentes pierres. Donc, j'ai reçu une nouvelle montre. Je vais l'ouvrir avec vous et on va regarder. Oh, 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 j'apprécie. J'apprécie. Attendez, on va regarder ensemble. Je vais vous montrer ça. Vous avez moins 15% avec le code AlphaCast. Vous avez le lien que vous pouvez suivre directement sous le player Twitch en cliquant sur le panel. Comment dans le chat, est-ce que je l'ai faite? Je crois que oui. Il me semble que oui. Mais damn, elle est pas mal du tout. Alors je vais enlever le film protecteur. Elle est un peu plus petite. La dernière fois, il m'en avait envoyé une qui était assez grosse. Là, elle est plus discrète, j'aime bien. Attendez, j'essaye de la préparer. J'arrive pas à retirer. J'arrive pas à la retirer. Ah si, c'est bon. Magnifique. Hop. Celle-ci. Alors, je sais plus le modèle. Je sais plus exactement le modèle. Mais elle est vraiment pas mal. Pour le coup. Je pense que je vais devoir la faire peut-être agrandir. Est-ce qu'elle est assez... Il me semble... Je l'ai mise à l'envers. J'étais en train de me dire, ça marche pas là. Ah non, elle est nickel niveau taille. Elle est nickel. Non, elle est peut-être un peu large. J'ai pas un poignet si énervé quand même. Je teste. Elle est un peu leste, un peu lâche. Montre là sur le plateau tournant. Ah, le plateau tournant, il est busy là. J'ai trop de trucs dessus. Attendez, je vais vous retrouver le modèle sur le site directement. C'était laquelle? Ah bah c'est celle-ci, je crois. C'est celle-ci. C'est la Hapku. Ouais, elle est vraiment cool. J'aime beaucoup le motif avec l'espèce de feuille à l'intérieur. Je sais pas si on le voyait à la caméra, mais le motif est très très cool. Donc ouais, il y a plein de montres pour hommes, pour femmes. Bijoux, sac à main, lunettes de soleil. Et j'ai pris des lunettes de soleil, bien sûr. J'ai pris des lunettes de soleil, attention, je peux pouvoir jouer au poker. C'est pour jouer à Magic, ça. J'ai pris celle-ci, moi. Hop. Je sais plus c'est quel modèle. Je vérifie, attendez. Je vous dire quel modèle j'ai. Lunettes de soleil, ils m'ont envoyé. C'est les... The Badass. C'est les Badass. Oh yeah. Attention. Bonsoir à tous. Je suis prêt à jouer à Magic. Alors, est-ce que j'ai un contre-sort dans ma main? En réponse, je peux jouer à Magic, c'est bon. Mais ouais, elles sont bien cool, bien stylées. J'aime bien parce qu'elles sont... Pour le coup, les broches sont bien solides. Ça va pas se tordre, mes dernières lunettes, elles sont tordues. C'est l'enfer. Et ouais. Donc du coup, ouais, j'ai bien reçu ça. Ma foi, bien quali. Là, je les ai reçues il y a une semaine par là. J'attendais un petit peu de vous faire la petite annonce. Mais ouais, ce mois-ci, du coup, ils vont me suivre. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire un petit cadeau... à un de vos proches ou même à vous-même. Voilà, il y a plein de choses sur le site. Il y a plein de choix, plein d'options. Donc ouais. Ajustage, se revoir. Ouais, il faut que je regarde l'ajustage pour les lunettes. Elles sont peut-être un peu petites. Je vais aller voir chez un opticien. Mais ouais. Alpha Chad, c'est ça. Avec les lunettes badass. Mais ouais, il y a plein de choses. Donc n'hésitez pas avec mon code AlphaCast, moins 15% sur le site. On est en partenariat avec Oldskerm pour le mois. Donc merci à Oldskerm de supporter le stream pendant ce mois. Voilà. Du coup, Eventis doit m'attendre. On va décaler sur Raven's Watch. Let's go. Je le rejoins. Jouer. Merci. Jouer. J'ai pas joué de bind. Jouer. Ça joue à la manette ou au clavier souris? Ça se joue à la manette, tout comme au clavier souris. Je préfère clavier souris perso, mais ça se joue à la manette. Hades, il jouait manette. Enfin, ça dépendait du build. En vrai, si t'es habitué à la manette avec Hades, tu vas retrouver tes réflexes ici. Ok. Bah écoute, Pastex, c'est Pastex Games.
Je me demande si c'est par rapport à la pastèque, je pense pas. Ou cinématique. Oh putain, ça fait penser à Vox Machina. Tu regardes Vox Machina? Oui, oui, je l'ai vu. T'as vu la nouvelle saison là? Ah, pas du tout. Elle vient de sortir. C'est trop bien. C'est trop bien. Je crois que tu dois être. Être caché sur Steam en tout bon genre. C'est possible, je jouais à Total War 40k avec Maf. Ah ouais, ouais. Je peux pas t'inquiéter. Attends, je regarde la cinématique là. Attends, on peut jouer Bard? On peut jouer Bard. C'est un Bard des rats. Un Bard de quoi? C'est un Bard des rats. Il joue de la musique que pour des rats. Ah bah tiens. Il y en a une, je sens que ça lui plairait. Eh ouais. Alors attends. Ok, Raven's Watch. Se connecter. Mais what? Essaye de me rejoindre pour voir. Ah, My Nacon. Attends. Je passe en. Mais non, je suis pas en invisible, moi. Bon. Attends. Ah, c'est bon, je te vois. Pardon, c'est bon, c'est bon. Ouais, déjà. Là, je suis dans le menu du jeu. Ah putain. Mon Spotify qui avec son gros fiac là. Ok. Scarlet Compendium. Hop là. J'ai mis tout à fond. Guide rapide. Le monde de rêverie, berceau des contes et légendes, est en train de s'effondrer. Un mal épouvantable a corrompu ces terres et empoisonné l'esprit de ses habitants. Le cauchemar a commencé. Les corbeaux, protecteurs de rêverie, font appel aux héros déchus pour repousser la corruption grandissante. Ensemble, ils forment la Raven's Watch. Objectif, un maître cauchemar envahit chaque chapitre, mais commence dans un état de sommeil. Le maître cauchemar se réveille au bout d'un certain temps, mesuré par une jauge. Lorsqu'un maître cauchemar se réveille, il doit être combattu et vaincu. Vous pouvez jouer seul ou en coop avec 3 autres joueurs. Votre code identifie votre session, oui ok. Alors on doit jouer des personnages différents. Lorsque vous atteignez une nouvelle zone, vous commencez dans une zone sûre où le temps est figé. Dès qu'un héros quitte, la partie commence vraiment. Ouais, si tu veux, je t'explique, hein, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. Mais c'est pas marrant le petit visuel qu'ils ont mis pour expliquer. Ok, changer de héros. Donc il y en a 4. Attends, je regarde les héros là. Scarlett. Tu pourras regarder les héros même quand je t'invite. Il y a la Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Mais non, il y a la Reine des Neiges. Hop. J'ai accepté. Accept! Accept! Tu joues Scarlett? Attends, je regarde. Scarlett découvrit qu'elle souffrait de lycanthropie lorsqu'elle se réveilla couverte par la chair et le sang de sa grand-mère. Ah, c'est le petit chaperon rouge revisité? C'est le petit chaperon rouge mode vénère, ouais. Ouais, ouais. Je sais pas, je l'ai pas joué. C'est pareil, j'ai joué. Beowulf. Beowulf! Chasseuse vengeresse le jour, monstre brutal la nuit. Elle bondit sur ses adversaires. Salut, moi c'est Scarlett. Chasseuse vengeresse le jour, monstre brutal la nuit. Attention. Elle bondit sur ses adversaires et les mord avec férocité. Oh Scarlett, que vous êtes grande griffe. Et donc, ah, il y a des skins, il y a des talents à débloquer. D'accord, ok. Alors attends, ouais. Donc Scarlett, c'est ça. Le joueur de flûte. Le joueur de flûte. Tu sais, tu peux avoir un loup-garou ou un joueur de flûte. Qui ce sera donc? Ah oui, avec les petits rats. Oh, putain. Autrefois connu comme le musicien le plus talentueux de sa génération, Franz, le joueur de flûte, fut maudit par les cauchemars. Désormais, ses chansons et ses mélodies ne sont que distorsion et destruction massive, ok. Ne plaisant qu'aux rats qui s'assemblent autour de lui comme une foule en délire. Lorsqu'il est dans le pétrin, il peut appeler ses ouailles à la rescousse, faisant déferler une tempête de morsures à ses adversaires, ok. Et la Reine des Neiges. Nice était une reine magicienne attentionnée et chaleureuse, adorée par son peuple. Lorsque des cauchemars corrompirent ses pouvoirs guérisseurs, rendant son toucher mortel et son regard amer, elle quitta son trône pour rejoindre la Raven's Watch. La Reine des Neiges gèle les ennemis à distance avant de les annihiler avec des sorts dévastateurs. Rien n'éclate aussi bien qu'un monstre complètement gelé. I don't know. Je pense que j'ai essayé le joueur de flûte, le concept me semble bien débile. J'ai envie de tester. Il est cool, ouais. Je vais tester le joueur de flûte. I'm ready. Vas-y. Music is my sword. Si on perd, c'est que j'avais pas d'arme. Bah mec, t'as une flûte.
Non, non. C'est une arme de, c'est une arme de fou. J'aime beaucoup la DA en tout cas, le côté un peu comic book là, c'est très sympa. Le joueur de Pippo, c'est ça. Pippolino. Ouais, c'est des personnages connus dans les contes et légendes. Il est inspiré de qui, le joueur de flûte? Bah le fameux... Il y a une sorte de légende où t'as un joueur de flûte qui attire les rats, là, j'ai plus le nom. T'as jamais entendu parler de ce truc? Du non. Joueur de flûte avec Hamelin, les rats? Le joueur de flûte de Hamelin. Je ne connais pas. Non, j'ai pas la ref. Alors... Juste, donc du coup, comme tu l'as dit, dès qu'on sort du cercle de... Là, en fait, tu peux tester toutes tes compétences. Et dès que tu sors du cercle de poudre, là, enfin de poussière, le timer va commencer. En gros, on va avoir 3 jours complets pour finir chaque chapitre. Le chapitre, c'est la map sur laquelle on est. Mmh. Et en fait, il faut qu'on fasse le maximum de trucs dans ces 3 jours. Une fois que les 3 jours sont expirés, on va affronter un boss et on passe au chapitre 2 si on a réussi le boss. Etc, etc. Ça jusqu'au boss de fin. Ok, alors attends, j'essaie de... Je fais de la flûte. C'est marrant. Fortissimo. Fortissimo. Et ensuite, okay. Je vais Allegro. Ouais, Allegro. Yes. Ok, donc c'est quoi? C'est, on dirait, un peu une sorte de mitraillette. Attends, est-ce qu'il y a moyen de lire mes compétences? Oh non, ça a commencé. Ça a commencé. On a, ouais, on est, le temps est... Le temps est arrivé au bout. Bah du coup, viens, on va faire le bouquin, là, juste au-dessus. Toulidouidou. Ok. Ok, et donc les rats, je les contrôle comment? Les rats, normalement, t'as une compétence pour les envoyer. Voilà. Ah, ils tapent. Ok, donc c'est une classe à pète. Putain, c'est original par contre. Ok. Je peux voir tes PV? Ah oui, t'as pris cher de fou. Ouais, c'est la première fois que je joue une classe CAC et j'avoue, c'est pas le plus confort. Moi, j'ai fait 2 games. Oui, oui, oui. C'est quoi? J'ai un nid là avec des corbeaux. Faut que tu viennes avec moi là. Sinon, bah oui, connard. Ça, c'est des TP. Si t'appuies sur la tab pour la map, tu peux te TP de corbeau en corbeau. Et ça, cet événement, quand je le lance, on va être enfermé. Ah. Il faut qu'on le fasse en 45 secondes. Je vais mourir là. Je vais crever, mec. Hein. Ouais? Ah bah voilà. Ok. T'as tapé? Je crois que j'ai joué au clavier souris, ça me saoule. Ah bah, manette, mon perso, ce genre de jeu. Non, c'est... mais là, la manette, c'est trop une galère. Mais je suis mort. Oh là, on est trop nul. On va claquer les plumes en direct. Les plumes? Alors, les plumes, c'est nos vies. Ok. Là, t'as pu revive parce que t'as claqué une plume. Ok. Ça commence très mal. Non mais moi j'ai pas lu mes compétences en fait, donc c'est un peu une galère. Tu veux qu'on lance la game? Ouais je veux bien, parce que là c'est un cauchemar. Je vais prendre le temps de relire parce que là j'ai rien lu du tout. Oh, c'était pas clair hein. Récompense. Énorme les récompenses. Trongue. Ok, allez let's go again. Cette fois-ci au clavier souris parce que au secours. Le joueur de flûte de Hamelin est une légende allemande, transcrite notamment par les frères Grimm et connue sous le titre original de Rattenfänger von. Ok. Très bien. Donc. En gros. Ah voilà, non mais t'inquiète, joli. Les rats apparaissent au sol à intervalles réguliers. Activés pour ordonner aux rats d'attaquer les ennemis, ils attaquent jusqu'à 3 fois avant de mourir. D'accord. Flûte, maintenez pour jouer de la flûte. Ce qui envoie des notes infligeant des dégâts n'empêche pas le mouvement, yes. Solo! Joue un solo de flûte, 3 vagues de 3 notes chacune, ouais. Yes. D'accord. Le fortissimo, zone de puissance. Statut vulnérable à tous les ennemis intérieurs. Ok, ça c'est pas mal. Explosion acoustique, le joueur de flûte devient brièvement intangible, puis génère une explosion acoustique
assommant et repoussant tous les ennemis proches. D'accord, donc c'est un CC. Donc en gros, tu fais ça. Et là, tu dépêches tes ennemis là-dedans. Tous les ennemis qui sont là-dedans, ils prennent plus de dégâts. Ouais, et t'envoies les trucs. Ok, donc là, j'ai un talent. Bah, je vais mettre rat explosif du coup. Mes rats, ils vont exploser. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. Les rats, ils vont péter. Ça va péter. Ah, les costauds, c'est compliqué. Hein. Ils sont costauds, ceux-là. Tu vois, quand ils sont brûlés, ils prennent plus de dégâts. Ouais, ouais, ouais. Oh. C'est vrai que ça fait un peu Hades en termes de gameplay. Même l'apparition des trucs, ça fait trop penser au boon de Hades. Ouais. T'apparaît de... Mais ouais, je crois même que c'est la même police pour certains trucs. Je pense qu'il y a une grosse inspiration. Hein. Ouais. De consommable lorsqu'elle est ramassée, applique une réduction de 10% au prix des fragments rêves. Ah, la peau de dragon, je sens que ça va être utile ça. C'est parti où? Merci. Je suis allé au livre, je t'attends, je... J'ai peur. Je défonce des mobs. Ouais, c'est comme le statut vulnérable. C'est quoi ça? Ok, ça c'est des sous. Et là on va faire le livre. Bon, on essaie de pas se faire... Ah, cette fois-ci. Ça se passe mieux que tout à l'heure. Ça se passe mieux. Bravo. Oui, oui, oui. On va récupérer le livre. Choisis un objet magique. Coups critiques font plus de dégâts. Full damage. J'ai un talent. Les attaques des rats affaiblissent les ennemis. Oh, c'est bien ça. Dans les rats géants, c'est pas mal. On peut aller faire la quête, là, juste au-dessus. Le petit point d'exclamation. Ok, c'est une quête ça, d'accord. Ah c'est marrant, du coup il y a une minimap. C'est vachement close range par contre mon perso. Oh, franchement ça va. Hein. Tu peux attaquer d'une certaine distance. Bah quand même, hein, c'est limite. Hein. Les sous. Argent. J'ai de l'argent. Quête. C'est quoi les trucs violets sur la minimap? C'est les TP. Ok. Staccato! Allegro! Ah oui, là c'est des gros que j'ai là. On va aller chercher du bois. Du bois. Il y a du bois un peu partout là. Du bois. Merci. Bois, merci. Et la difficulté elle est scale ou pas? Par rapport au nombre de joueurs, ouais. Ah ouais, le combo il fait mal hein, quand tu mets la zone et le shotgun là. Ouais. Ouais, le shotgun il est trop bien. Surtout que de nuit, je sais pas si t'as vu, le shotgun il est en un seul trait. Comment ça? En fait, de nuit tes compétences elles sont améliorées. Je suis entravé. Oh là, y'a un boss là. Aussi. Oh là, Oh là, ça fait mal. Oh non. Il y a des araignées. Ouais, il y a des saloperies.
Pas mal, putain, tu mets bien le foot. Hein. Ok. Il faut prendre le. Prendre le du bois. Merci. J'ai plus de vie, hein, par contre, hein. Cher. Hop, on a le coffre ici. Y'a des popos des fois. Ouais. Deux consommables. Pierre aiguisée. Point d'armure. Je vais au bois au sud. Putain, mais y'a rien de heal, mec. À un moment, t'auras du heal, t'en fais pas. Écoute, là, ça manque. Ça manque. Là, ça me manque beaucoup. On a oublié du bois. Ah, on peut plus en porter plus. Normalement, si tu peux, hein, je crois. Ah non, moi, je peux en porter plus. Ah oui, ça fait mal. Le petit level up. Oh, le petit level up, il fait du bien, là. Hein. Ah oui. Lors de l'effet du spécial prend fin. C'est lequel, le spécial? Ah, c'est le faulty, ici, moi. Okay. Oh, je meurs. Oh non. À l'aide. C'est con, ça. Ça fait mal, hein. C'est pas mal. J'aime bien le joueur de flux, c'est pas mal. C'est mieux qu'à la manette. Il fait quoi, son spell, sur la touche shift? C'est un stun. T'as combien de bois, là, sur toi? C'est écrit où? En haut. 7. 7, ok, il nous en faut encore un et on peut aller en. Ah, cool la musique, putain. Elle est bien. Ok, je. Merde, je peux pas prendre le bois, faut l'éclater. Ouais, on va le fumer. Fortissimo. Et on prend le bois, fumer. Et là t'appuies sur tab et on se TP au petit cochon. Ok. Here we go. Petit cochon va pouvoir reconstruire sa maison. Ah ouais, c'est marrant, elle se construit devant toi. Et là, faut qu'on défende sa maison. Ah. La défense. Oula. Non mais c'est trop... Ouais. C'est tellement cool. Oula. Ils attaquent la maison. Allegro. De bas. Voilà, y a un big boy. C'est chaud un peu là. Y a du monde là. Oula. Ah, c'est complexe. Oh non. Oh, j'étais dans la haut. Oh non, gros. Tu penses qu'on me reste ou pas? Ouais. Vas-y, viens sur moi, tu maintiens. Ils sont tous en train d'attaquer à la maison là, c'est parfait. Oh non. Vas-y, reste-moi. Attends. Merci beaucoup. Oh non. Oh. J'ai failli me faire bolossed. Hop là. Facile, hein. Facile, franchement. On a eu chaud de fou. Après avoir touché un ennemi avec la défense. C'est quoi la défense? Ah, la défense, c'est le shift. D'accord. Le prochain pouvoir dure plus longtemps. Ah, oh, j'aime bien ça. Mesure supplémentaire. Confère une charge supplémentaire à l'ultime. L'ultime, c'est quoi ça? C'est quoi l'ultime? C'est ton F normalement, mais on l'a pas encore, ce sera quand on sera niveau 5. On a plus que 8 minutes pour continuer là. On n'est pas en avance. Ok. Now you're just showing off.
Okay. Si tu veux, regarde, on va stepper au truc en bas là. Ah, on peut pas, on est en combat. Ah oui. Voilà, c'est bon. Le truc brillant là. On va aller faire les deux trucs verts qu'on voit. Allez. Oh la quantité de rats. Faut pas oublier de les claquer, hein, tes rats. Ah oui, je les claque. Allez, vraiment, la musique est cool. Ici, il y a des sous. It seems the monsters are afraid of us. It's the monsters' place to fear us. Yours to scare me. Oh la vache, les dégâts de terrain. Ça va péter. Hop là, les sous. Et c'est partagé, okay, les sous. Ouais. Donc, quand il y en a un qui ramasse, on les a tous. Non, j'ai 197 thunes, j'en ai pas dépensé une seule. Non, tu le vois en bas. Ouais, j'ai pareil que toi. On peut aller faire le puits. C'est quoi, alors, le puits, il faut dépenser 50 pour avoir un truc. En claquant 1, c'est bien. 6 points d'armure, vitalité, étoile du destin. Je sais pas ce que c'est. C'est pour pouvoir reroll tes pouvoirs. Je te recommande pas ça au début parce que, comme on sait pas trop ce que font les persos. J'ai pris vitalité. Oh, le shotgun, j'aime trop. J'aimerais que le cooldown soit plus court. On peut avoir plusieurs charges de... Ah là, les musiques, c'est un banger, hein. On a du heal. Prends-le quand même, ça augmente TP max. Ah. Donc il nous reste un jour pour essayer de continuer à bien step up. Là, ce que je te recommande qu'on fasse, c'est on arrête de taper les randoms comme ça, là. Bon, là, regarde, lui, on le fait parce qu'il y a des sous à côté. Et après, juste on rush les événements. Nickel. J'ai un talent. Ouais, si c'est ton ulti. Mélodie déchaînée. C'est trop bien. Attends, okay. Attends qu'il y ait des mobs pour le faire. Là, vas-y, fais-le, tu vas voir. Et là, tu cours et en fait, tu mitrailles tout le monde. Ah, trop stylé! Ah, j'avoue que c'est cool. Il doit y avoir un événement par là, je pense. On va pas faire ça. Trop long? Ouais. Là, non, il peut y avoir un coffre. Ah, nickel, ici. Ah, mais il faut une clé, c'est ça? On n'a pas la clé. Ok, faut qu'on trouve la clé du boss. La clé? Je sais pas à quoi elle ressemble. Harry, la clé. Sinon, il y a un coffre ici, je pense. Bah, ici, c'est pour acheter un power-up. Donc, il n'y aura pas la clé. Je vais retourner vers autour du boss. Il faudrait qu'on puisse quitter, ce serait cool. Je vous donne des bons rebonds. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Le puits est utilisable 3 fois. Ah bon? J'ai plus de rats. Il m'a bégère dessus, lui. Il reste 3 minutes. How many of these monsters are there? Je peux pas faire ça là. Je tape un truc là. Gros tentacule. Ouais. Vas-y, j'arrive, je sais pas. Ah. Oula. J'avoue que je sais pas du tout ce que c'est. Ok. Staccato.
les musiques, c'est banger after banger. Ouais. Frère gars, je pense qu'on aura pas de pile. Ah, j'ai un dit, je vais ici. Nice. La dernière vague. Ok. Oh, je suis dans la merde. Oh, je suis dans la merde. Nice. Allez. Nice. Ah bah voilà. C'est chaud, ouais. Ah, Maître Cauchemar a perdu 20% de sa santé, d'accord. Okay. Ah bah ça valait le coup. C'est pas mal. Nous aussi on a perdu de la santé. Ouais, on a perdu. Je vais essayer d'explorer pour trouver... Bon, je crois que je tiens quelque chose. Ah oui, ouais. Oh, c'est compliqué là aussi. Ok. On peut le tenter, mais je pense que c'est chaud. Oula, oula. Moi j'ai beaucoup de gens sur moi là. Ah frérot, là, moi j'ai plein de monde sur moi. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. J'ai utilisé une pub, j'ai utilisé une pub. Ok. Énormément de thunes là où je suis. Ok. Pitter, ah, j'ai trouvé un heal. Je sais pas si ça se l'a donné. Essaye de venir m'aider. Oh putain! Oh, bah, je me fight. Je me fightais contre ce truc juste avant. Ah, nickel, attention, il va péter. I hear the music of the sphere. C'est bon. Ah oui, y'a ma stun. Oh, j'ai pris cher moi. On a 30 secondes. 30 secondes, c'est, on est TP au boss. Mais on peut acheter des trucs avant? On peut se TP au shop de base et acheter des trucs, ouais. Shop de base au début? Ouais, au tout début. Okay. On va avoir 20 secondes pour acheter des choses. Happy to see you in one piece, my musical friend. J'ai acheté un truc. Interesting. Attention. Non, j'ai pas eu le temps de cliquer, fuck. C'est pas grave, c'est pas grave. On est pas soigné, j'imagine. Je crois pas. Yamete. Oh merde. Oh sa mère. Ah ouais, non, c'est pas cool. I need healing quickly. Power of Tempest. OK. Ah, nice. Défense. Pas mal. Oh vas-y, eh. Faut qu'on focus les mêmes, je pense. T'es où? Moi je suis en train de taper une. Celestial chorus. Yeah,
Ok. Oh putain. J'ai plus. J'aime bien la musique, elle est en mode. Oh oui! Bravo! Easy! Easy, not even a problem. Ouais, j'avoue que c'est cool. Chapitre 2, l'île de la tempête. Ouais, le film est cool. Puis surtout, le build-up de perso est sympa. À la fin, t'arrives vraiment avec des persos qui peuvent être vraiment craqués sur certains aspects. Ah ouais, j'avoue que j'ai cliqué un peu. En fait, la contrainte de temps fait que c'est dur. La contrainte de temps, c'est dur. T'as pas le temps de lire les spells et tout, c'est un peu dur. Bah, ça. En général, c'est simple. Les spells, tu vois, en général, si tu laisses ton curseur dessus, tu vois quelles compétences ça affecte. C'est-à-dire ton A, ton E, ton E. Et en général, dans chaque run, c'est bien de focus, de bouer un type de compétence. Là, il y a un shop, on peut encore acheter là. Mais ça va pas déclencher, non? C'est bon. Non, là, on peut acheter. On a 135. Après avoir touché un ennemi avec la défense, prochain pouvoir. Donc pouvoir, c'est quoi? Pouvoir, non, si tu laisses ton curseur dessus, tu sais. Attends. Donc flûte, c'est attaque. Infestation, c'est mon trait. Et c'est le solo, le pouvoir. Moi, je veux booster le pouvoir, moi. Le shotgun. Ouais, pouvoir, c'est ça. Clic droit, ok, mesure supplémentaire, je vois. Ensuite, les attaques des rats affaiblissent les ennemis. Ça, je l'en ai déjà pris un. Les rats apparaissent par groupe de 3 au lieu de 2. Ouais. Store 100% de votre santé. Non, mais je suis full HP là. Vas-y, je vais prendre ça. La mesure supplémentaire. Et c'est un perfect match. On peut aller au coffre en haut là. Fortissimo. J'ai plus le coffre. Go. Pas ici. Ils avaient fait quoi avant ce jeu, les devs là? J'ai une idée. Oh là, il m'emmerde lui. Putain, il m'a arraché la tête. Allegro. Ça, j'avoue que c'est incroyable, Allegro. La défense, l'effet du spécial prend fin, la zone explose. Ah oui, apothéose. Curse of the Dead God. Ah oui, j'en avais entendu parler de ce jeu. Ah, Deathlike qui apparemment était très bien, ouais. Lorsque les dégâts sont subis. 3 plus 1 point de dégâts. On peut aller chercher la fontaine en haut juste pour les PV max. Les fragments de rêve, c'est de la monnaie? Je crois. Je crois que c'est ça, ouais. Non mais je vais prendre le truc un peu rare. Hein. Je vais me re-TP au magasin puis on va aller à l'œil juste en dessous. Ok. Waouh, oui les rats. Oh, t'as raté de l'argent. J'ai de l'argent. Prends l'argent. TP au shop pour venir plus vite, hein, si tu veux. Ouais, mais je tapais des mobs et je faisais de l'argent. De l'argent. C'est le même univers, apparemment, que Curse of the Dead God. J'arrive. Mort pas. Où est-ce que je suis mort? Quoi? What the fuck, ce que j'ai pris? T'as dû prendre le truc que je me suis fait. Alors là, du coup, j'ai claqué un œil. L'œil nous permet de voir ce qu'il y a aux alentours. Je vais directement rusher la fontaine de soins, j'ai plus. Je crois que je suis contre un boss là. Attends, faire des bêtises. Sleep.
Je l'ai eu? Je l'ai pas eu? C'est cassé? Oh, ça débecte. Pourquoi il a reset? Ouais, il a reset. Vas-y, venir avec moi, Olivier. De toute façon, on a pas besoin. J'ai récupéré le truc du boss. Il y a une fontaine de son qui est libre. Attends, je me casse. Ouais, il y a des crabes dégueulasses. Juste rush là où je suis. Ouais, je vais chercher la fontaine. En fait, on peut pas trop se permettre de prendre le moindre mob et, parce que sinon, en fait, on va être en dessous niveau pouvoir et tout. Ah, le livre. Much better. Le livre. Staccato. C'est toi le truc qui fait du feu là? Ouais, c'est là. On les a défoncés. Alors, qu'est-ce qu'on a? Moi, je prends de l'armure. Je sais pas si c'est bien, mais je prends de l'armure. Bon, c'est toujours. Je sais pas. J'avoue, j'ai pas assez joué au jeu pour pouvoir te dire si c'est pas mal. Oh là, la bait! Les rats, ça fait si mal. Ok, on a les sous. Alors, spécial déclenche une la défense implosive. En fait, j'ai que des trucs pour mon spécial, donc bon, allons-y. Hein. Il y a un truc avec une croix là. Là, il doit y avoir un peu. Ouais, la croix, je crois que c'est le boss, non? Je crois que c'est en passant du boss. Là où je suis, on a un truc là. Ah, c'est le magasin pour acheter des plumes. Ah, qu'on en a besoin. On est trop fort. Take it from the top. Oh, j'ai trouvé la clé. Hi. La clé, Harry. How many of these monsters are there? Oula, j'entends des bruits là. Okay. Et ben, on peut faire le boss juste au-dessus. Allez. Ça donne des trucs bien, ça. Sans survie. Sans survie, bien sûr. T'as un de ces bursts, c'est trop bien. Power of Tempest. C'est ton ult, ça? Ouais. C'est pas mal, j'aime bien. Attendez toi. Ok, faut qu'on aille en bas. Ah, par contre, fais gaffe, parce que quand tu fais ça, t'es pas invulnérable. Ouais, je sais. Ça va du tout. Open the bloody gate. Allez, on rentre. Ah, ah, oh, ah, oh, ah. Ah, y'a des crabes dans tous les sens. Ouais, c'est bien sur mon chip, ça j'aime bien. Ah, ils ont géré, hein, parce qu'ils ont réussi à rendre une classe d'un flûtiste avec des rats original et fun. Ça c'est trop cool. Hein. Avançons. Allez gros. Attends, c'est au nord ou t'es au sud qu'elle est allée? Au nord. S'il y a des mobs, juste ignore et on rush le boss. Je suis sur le boss là. Carquinos, fléau des récifs. Oh sa mère!
pouvoir faire des choses, c'est bien. Ouais. Il va bientôt être stun. Ah, il a une barre de stun. La liste, go. Oh non, il est parti de ma zone. Oh sa mère! Oh sa mère! Tu fais mauvaise? Ou c'est chaud? Ça va être très chaud. Je tente. Bouge pas. Oh les héros! Oh GG. Oh la dinguerie, là c'était. Heureusement qu'il a lancé une attaque comme ça! Oh là là! Ouais. GG. Ok, nickel, on a le loup juste au-dessus. Sniper. Ah oui, tu peux tirer plus loin. Alors là, fais gaffe, il y a des trucs. Ah, le pouvoir, le spécial des danses voit leur délai de récupération réduit de 5-32. Ok. La ruée rend le héros et l'héroïne, mais augmente tous les gars subis. Au secours. Tous les gains de fragments, mais fait perdre tous les fragments aux portes de la mort. J'ai pris un truc qui fait un deuxième outil. Moi, j'augmente mes dégâts, moins j'ai de PV. Dès que c'est fini, tu ouvres ta et on se retp un aigle. Ou auquel un corbeau. Ah oui, je vois où t'es allé. On a 8 minutes. On peut aller faire la quête. Faut qu'on tape un tout droit vers la quête. Oh, il y a le coffre rouge. Ok, on va faire le coffre rouge. Allez, gros. C'est trop frustrant, ils meurent pas ces ennemis. Genre ils se TP back. Il y a des Chaos Demons. Fortissimo. Non, j'arrive. Je cache pas que c'est ils sont un peu costauds là les gens. J'arrive. Les gars, ils font très mal. Y'a pas de problème. Joue de la flûte. Bedstone. Bedstone. Nickel. Dead. Ok. Alright. You should keep that Drake on a short leash. Oh. Réduit de 20% l'ultime. Miam. Ouais, ça fait mal. Délicieux. On tape un tout droit vers la quête. On rentre. Ah non, merde, on peut pas. Les ennemis, c'était qu'un ? Je crois pas. C'est trop bien quand je vais shift. Pour faire la quête. Easy. On court. Continue, je vais prendre l'or. Il n'y a pas mini carte pour la quête. Non. C'est sous. De l'argent.
Bam 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 bam. Allez. Bon alors je me permets juste un petit truc sur celui-là. S'il te chope, en fait il y a un mouvement où, il y a un moment où il va te rusher, genre là dès le début, s'il te chope il régène sa vie. C'est comme Polyphène un peu. Donc non. Il faut absolument éviter ce move. En plus de tout le monde. Genre là, hop. Ouais, genre ça. Là voilà, là il est en mode. Genre ça faut l'éviter, ok, non, sinon il se heal. Au moins tu vois le premier coup. Oh putain, on dirait vraiment Polyphème. Hein. Ça là, hop. Ouh, c'était chaud. Là il part bouffer quelqu'un. Yam yam yam. Et on doit le tuer avant qu'il bouffe notre pote. Ah. Oh putain. Ah les petits trucs au sol là, ça c'est criminel hein. Il a failli, il essaie de buter quelqu'un. Ok, recule. Bientôt stun. Ok. Bon, en plus, il y a ton truc qui explose, c'est parfait. Il va essayer de manger quelqu'un, attention. Boum. Sympa comme fight. Là, c'est marrant parce que ouais, dans la DS2, tu l'as fait, Polyphène, dans la DS2 J'ai vu que là, comme ça me parle pas. C'est le boss de la surface. Le premier boss de la surface. Ah non, je suis jamais allé à la surface encore. Eh ben, c'est vraiment, c'est le même, c'est, en fait, c'est le cyclope contre Lys. Ah, ok, ok. Donc c'est la même, même légende, c'est le cyclope qui bouffe des gens. Il y a un moveset où il marche et il fait des AOE qu'il faut éviter, c'est vraiment, c'est tout pareil, ça me fume. Alors comment tu sais que c'est la nuit? Bah là, en bas, regarde. En bas, ah à côté du timer. Oui, et la nuit du coup mon spell est différent. C'est cool ça. Ouais. Ah et puis même mes projectiles sont violets la nuit et jaunes le jour, c'est ça? C'est ça. Une fois ici là. Ah, on a un événement. On va viens, on va lancer le livre. Oh c'est le livre rouge. Ok, on a 1 minute 30 pour le faire. Ça va être chaud. Oh ça va être chaud. Vas-y, avance vers l'ensemble du livre, comme ça dès qu'on peut lancer. Essaye de lancer dès que tu peux. Clique si tu peux lancer. C'est bon. Ok. Oulala. Ah putain, c'est le jour. Horrible leur rayon laser là. Vas-y, vas-y. Pas mal. Et on peut le tuer. On a 13 secondes pour tuer lui. Ma cassette. Easy. Pas mal. Faut prendre le livre. On est en combat. Ok. Ah, c'est bon là. Alors. T'as pris le livre ? Ouais, ouais, c'est bon, moi. J'ai des piafs. Putain, le nombre de piafs. Pourquoi je vois rouge ? Parce qu'on va être TP. Putain. On a pas eu le temps de chop, là ? On a pas eu le temps de chop. C'est encore le même ? Non, il est différent.
c'est un beau tas de merde. C'est un sacré tas de merde. Oula. Utilise mon attaque. C'est que cette merde. Ah bah d'accord. Faut les détruire. Ouais. Oh ouais, c'est cool. Oh les là, ouais. Petit heal là, ce serait bien. Il est stun. Là, faut être chaud. Hein. Là, c'est un HP. On est chaud. J'aime bien. J'aime beaucoup. Ah, il fait nuit, trop bien. Let's go! C'était chaud, mais c'était chaud. Ah, c'était bien cool, hein, putain. Il était plus cool ce boss fight que le premier. Ouais. Chapitre 3. Ah, oh, putain, ça enchaîne. Hein. C'est genre boss fight, chargement, bam! C'est genre. Ouais, ça enchaîne. C'est il y a combien de chapitres? Normalement, c'est le dernier. Ok. Et après, j'imagine, tu peux rendre le truc plus dur avec des modificateurs? Je crois que t'as des degrés de difficulté qui se déroulent si tu finis le jeu avec les. Le premier niveau de difficulté, puis ensuite le deuxième, etc. Ok. Chapitre 3. Quel plaisir. Ah mais heureusement. But you're just going to get yourself killed. You're not the first to judge me by my gentleness. I too have known. La mitrailleuse. My most mellifluous greetings. Alors attends. Esteemed Piper. Pouvoir joue 5 notes. Pas de moindre qualité en tant que. Donc ça c'est rêve et talent. Lyra spécial. Yes, this is a most fitting choice. Most suitable. Je vais garder mes thunes après. Tu en as déjà le coffre jaune. Ah là c'est. Bah c'est. J'ai mon Uzi. Ok, on peut directement aller au coffre jaune, je pense. De l'or. Merci. Ils font mal ici. Maudit. Putain, ça va les moves là? C'est pas chiant ta vieille là? Oh putain, t'as pris la max? Je prends. Ça a pas l'air facile à jouer hein. Mais... La mêlée, c'est pas évident. Le coffre ouvert. Ok.
Le coffre est là-haut. Il y a la quête au-dessus. Ah, après on peut aller vers le boss, si tu veux. On peut aller vers le truc rouge, il faut trouver la clé. Oh, trop bien, j'ai trois charges de shotgun. Ça, c'est fort, ça. C'est rigolo, ça. Ah bah voilà. Ah bah voilà, okay. Petite clé. Facile, vas-y go boss. Où est-ce lui ? Mais bon. J'ai de l'argent. Monsieur. Oh, il m'a éclaté. Oui, il me veut du mal. AK-47. Attention, tu m'as fait peur. Ah, ça va, il y a une fontaine. Ouais, ça fait plaisir. Il y a trois charges de fontaine, c'est ça, j'en disais ? Non, on a autant de charges, c'est juste que dès que tu consommes une fontaine, c'est ciao, mais la fontaine elle augmente TP max. Ouais, ouais. Pas de kill. Oh putain, elles prennent rien. Je suis mort. Waouh, est-ce qu'elles m'ont mis Utilise une utilise. Ok, une ça marche, ça marche, ça marche, pas de soucis. Ouais, elle tank tellement. Ouais. Je suis maudit. Ça veut dire quoi, maudit? Maudit, il y a une compétence que tu peux utiliser. Thérèse, là. Non. Ils sont. J'arrive même pas à en tuer un. I hear the music of the spheres. C'est hallucinant le PV qu'ils ont. Oh la vache, j'ai encore mourir. Oh non, je suis mort! Fuck! J'en mets une plume? Ouais. Pas le choix. Et elles prennent rien. On va en finir 5 secondes pour en sortir. Au secours. Wouah, c'est abusé. Je vais aller à la fontaine pour voir en bas là. Je me heal moi. Hésite pas à chercher des trucs. J'ai juste trouvé des trucs. Mais là ouais, en effet, on manque peut-être de dégâts mono. Ouais, moi je suis plus je suis plus multi moi. Mais là, tous les ennemis, ça devient simple. Ouais. Attends, je vais pas pouvoir. Allez. Final Requiem. Wow, au secours. Putain. Vraiment compliqué. T'es où? Je suis en train d'essayer de descendre. J'arrive, je suis avec toi. Okay, c'est une strange way to travel, but it is swift. Il y a moyen de se lier quelque part là. Justement, c'est là où je vais. On a pas pris What? Hein? Là par contre faut les surfer le jeu là. Ouais là c'est abusé. Je te rêve hein.
la sortie de spawn. Ouais, c'est abusé. Je pouvais pas bouger, horrible. Moi j'ai spammé mes touches tellement j'ai paniqué. Elle est là, elle est là, foutable. Ça me rappelle Diablo avec le vortex. Et il y a l'œil ici. Ça fait du bien. Ouais. Talent. La ruée envoie 4 notes d'ultime. Ah, j'ai pas de choix, y'a que ça. Ah, ok. Ah, c'est l'amélioration de notre ult. On est niveau 10, ouais, c'est ça. Ouais. I have a song for every occasion. Quoi, ça? Oh. Et en gros, on va voir les trucs. Ok, on a deux covers. On a 10 minutes. Bah, en vrai, go faire les deux covers et le livre jaune. Ouais. Ça va nous permettre de rattraper un peu le retard qu'on a pris sur le boss qui nous a. On a combien? On a une plume. En plus de 500 heures de jeu, le cas de config de l'escalier ne m'est jamais arrivé. C'est combien d'avoir? Ah, je suis affaibli. Oh le bâtard. Il fait mal ce coup. Bon merde, allez, bouffez-le. Les rats. Les rats, quand j'en ai marre, les ça rats, fait mal. Quand ils y vont, c'est... étoile du destin, on s'en fout. Chaque objet magique commun, j'en sais rien moi. I'm calling on the whole choir. Okay. Utiliser six fontaines. Petit au fait. On va peut-être s'acheter une plume en plus aussi. Ah, le combo ça. Est bien, le combo est bien. Quel plaisir. Le plaisir. Combo marche très bien. Ok. Ah, par contre, ouais, après ça, va trop kiffer le jeu. Avec le roi des rats là. Elle a déjà fait plusieurs soirées. C'était ah, okay. La troisième soirée qui font dessus là. Oula, oula, oula. Ouais, oula, ouais, oula. Ouais, il y a un gros. Oh le bâtard. Voilà. Coffre. 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 Peut-être on va aller stepper Je vais me taper au marchand, tiens. J'ai pas mal de thunes. Hein. Je vais voir si je peux pas acheter quelque chose. Il est où le marchand? Là. Ça coûte combien ça? Vas-y, j'achète une plume. J'ai plus de thunes. J'ai combien de plumes moi? Deux, je crois. Ouais, j'ai deux. Bon, c'est comment? Faut aller où? Où je suis? Ah, c'est comment les plumes? Okay. Ouais, c'est comment? C'est pour ça que quand on l'utilise. Faire gaffe. Ça va faire le livre jaune. C'est si satisfaisant de le spammer comme un boss. On va voir le livre ici. Allez, c'est parti. The cursed tomb is swilling its ire.
on les défonce. Oh, on les oublie là. Ouais, j'ai pas de talent à prendre, même si on a level up. 24 points d'armure. Ouais, 24 points d'armure. Non, là, je suis à 55. Niveau 10, c'est juste des stats qu'on tient maintenant. Okay. On va essayer de passer au-dessus. Oh là, on a un vilain monsieur. Oh, on a un très vilain monsieur. Je lui ai mis en force à OMG. Tiens, il y a une quête ici là. Je vais essayer de la faire, on a 5 minutes. Attends, j'ai un mec énervé là, moi sur moi. Goulard, goulard. Nickel. Goulard, quête. Quoi que tu veux. Morgan. Ah mais lèche-moi. Oula oula. Allez, hein, il est temps de jouer de la flûte là. Ah il se heal. Il se heal, ils sont relous. Moi j'ai tué le support. J'en ai un. Bon, les merdes, les rats, faites votre office. Ah non, c'est eux qui se healent. Ouais, ils se healent d'auto. Ah, ils m'emmerdent, lui. C'est bon. Ah ouais, j'ai. Un peu d'XP, pas mal. Ok, c'est bon, c'est fait. Quatre minutes. Ça va, on est large là, mais par contre, si c'est comme le boss qu'on a raté, ça va être chaud. Hein. Ouais. Oh, les damage. Ouais, en fait, c'est faut que je me mette vraiment loin. Faut faire vraiment beaucoup de dégâts. Attends, y'a du. Y a de... J'ai de l'argent. L'argent. De l'argent. 3 minutes. Ok. On a quoi ici là? Regardez où monsieur. Oh, c'était bien placé ça. Oh, qu'est-ce right. que c'est ça? Oula. Ah, c'est des sous. Ça me semble... Bien t'aider hein, mais... Ouais, c'est... En vrai c'est bon, on a tout wipe. Il y a juste lui là. Bah mid life. Hop là. Oh les crits là. Les délicieux crits. Nickel. Quelle classe joue Alpha? Je joue le flûtiste de rat. Il reste 2 minutes. Je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. Machin. Flûteman. Je joue Flûteman.
c'est pour se faire de la thune. Ouais. Faut pas, faut ouais, qu'on aille. On s'en fout, s'en fout. Wire. Si on peut avoir autre chose que de la thune, j'avoue. Genre, ah, ça c'est bien ça. On a une minute, hein. Ouais, il faut qu'on nettoie ça et c'est bon. Oula, oula, mec, ça pue. Défense. Et si on peut payer? On peut payer pour des trucs très forts. Ok. On va acheter? Ouais, on va acheter. Idéalement, si on a 100, on peut acheter le bonus de force pour 300 secondes. Il y a un truc qui coûte. J'ai pour 75. Je vais l'acheter à la dernière seconde. Je l'avais pas moi. Je l'avais pas en dispo. Ah ok. Peut-être faut avoir level up un peu le compte. Tu vois. Allez c'est parti. Non je pense que c'est juste. Allez à la bataille. À la bataille. Oh la marque du chaos. Y en a deux. Oh là non. C'est quoi ce truc? Je sens que ça va être l'enfer. J'ai plus de tarif. Oh j'ai... Oh je me suis fait... J'utilise une... Ça sert à rien. Ouais. Aïe. Wow les dégâts. On s'emmerde. Ah, y'en a un qui est armored. Faut taper l'autre maintenant. Je peux pas. Comment ça, aucune idée? T'as jamais fait ce boss? Non. J'avoue que j'ai pas de souvenir là. Oh la vache! C'est bon! Oula. Quoi? Tu mens. J'utilise une plume. Hein. Ok, maintenant sur l'autre. C'est bon. Fume-le. Attention. Yes, let's go. On a eu une. Plus qu'une. Allez, stun. Oh non. Ah, faut tuer les deux en même temps. Oh non. Non. Oh sa mère. Oh vas-y. Non mais c'est comment je dodge cette merde? Non.
Ah, je peux pas 13, bon. Faut que tu aies deux en même temps. Ça me paraissait un peu simple qu'on en fume un et ensuite l'autre allait bien. T'es mort? Dead. Ah, écoute, c'était pas mal. Ah, saloperie. Ok. Ok, we go again. We go again. On s'en est très bien sorti quand même. Mais j'avoue, là. Ouf, 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 ouf. Récompense. J'ai gagné Gepetto. GPT ? Moi j'ai gagné Mélusine. On a pris deux levels. Nouvelle découverte, corne de licorne. Nouvelle découverte, armure verte. Enfin... Très belle première. Since I was a little boy, I have always craved the cheering of the crowd. Never have I felt more alive than when navigating in song over a chorus of instruments. My flute would pierce high above the brass and drums, etching emotions on the hearts and minds of bewildered spectators. I called the crowds that gathered my precious flock of songbirds. They called me their maestro. I often wonder if the pride I felt in such melodious moments was not the cause of the curse that now afflicts me. Perhaps some jealous sorcerer took offense at my popularity, or some wicked wanderer sought glee from my demise. Ah, avec le joueur de I will one day learn. Ouais, j'aime bien, ouais. I have no one. J'ai débloqué la sirène, je crois. La sirène, j'aime beaucoup. Nothing broken that can't be fixed. Ah, Mélusine, ouais. Avant que les cauchemars glissent un mystérieux enfant dans son ventre, Mélusine était déjà une dangereuse sirène. Elle utilise une puissante magie d'eau et des chansons charmeuses pour invoquer des feux follets et noyer quiconque voudrait s'en prendre à son précieux passager. Le style de combat atypique de Mélusine est déconcertant. Monstre, bouchez vos oreilles avec de la cire, sans quoi cette mer et ses chansons rempliront vos poumons d'eau salée. En plus, il a pas de nom, c'est le joueur de flûte. Oh, je débloque un skill. Le joueur de flûte. Vas-y, j'y retourne. Attends, je m'arrête. Il a déjà un skin, quoi. J'ai un skin, c'est bon. We have the monsters on the run, scoundrels, just as we planned. Alors. Ah, Mélusine, pire gameplay. Ah bon, pourquoi? Ah, c'est excellent. En fait, c'est le perso qui a la plus grande distance. Et genre, quand tu gères bien, littéralement personne te touche. Les ennemis dans la zone d'effet du spécial sont gelés et subissent plus de dégâts. Alors, c'est quoi le spécial? Le spécial, c'est le fortissimo. Oh, alors là, est-ce que tu fais des gros dégâts de zone, toi, avec ton perso? T'es genre l'ingénieur? J'en sais rien du tout. Moi, je pense que tu fais des explosifs, c'est sûr, tu fais des explosifs. Gepetto, t'inventes des trucs et tu fais tout péter. Hop. Bah tiens, ouais, voilà. Ouais, une bombe. Ah bah tiens, tu vas être content. Je vais prendre le piège glaçant. Comme ça, je freeze les ennemis. Et ils prennent 10% de dégâts en plus. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Bah vas-y, go. On est où? On peut faire l'œil en premier. Allez. Ça va faire bizarre d'avoir le perso nerfé. Là. Ouais. Fortissimo. Ah putain, il a des épouvantails qui... Gepetto, il est chelou. Ouais, Pinocchio, avant d'être Pinocchio, c'était particulier. Hein. En fait, c'est marrant, je mets des pontins qui taunt les mecs, qui les tapent et je peux les soigner. J'aime beaucoup le gameplay. Tu sens qu'il y a eu des idées de gameplay cool.
Il fait un petit tournicotis là. Oula. Il me fait penser au. Comment il s'appelait là le perso dans le jeu de Renault là. Ah, Supervive ? Ouais. Je sais pas lequel. Perso là, je suis avec le lance-flamme. Ah, je sais plus comment il s'appelle, oui. Je vois de quel tu parles. Talent. Le spécial déclenche une défense implosive. Attends, les ennemis vers l'intérieur. Oh, c'est bien ça. Oh, c'est bien ça. Alors, c'est un conseil, mec. Je pense. Fais un build gros AOE. Ok. Parce que je fais le vortex là de nouveau. Ah, tu les attires ? Ouais. Ok, c'est bon. On voit les trucs. On a un livre en bas. Ah, c'est pour scout. Boss. Ouais. Ok. Et ça donne de XP accessoirement aussi. On peut faire les deux trucs verts au début, histoire de prendre un peu de puissance. Qu'est-ce que t'entends crier là ? Oh, vive la nuit par contre, hein. Ah, attends, il y avait un truc de. Vas-y, continue, il y avait un truc d'or. Oh, tu fais trop mal en fait, t'as pas besoin de moi. Hop, la petite bombe. Allegro. On peut aller faire le bouquin. Son lanceur, ton jetpack. Ah putain, ça se voit que t'as trouvé ton perso là. Ah, j'aime beaucoup. Vas-y, active-le dès que tu peux. Ah, on est en combat. J'active. My little scoundrels, it's time to test your metal. Hop, petite bombe. Nickel. Je peux pousser les. D'accord, je peux pousser mes pantins sur les ennemis, ça leur fait des dégâts du coup. Oui, tu faut les taper, je crois. Non, attends. Ah, après avoir touché un ennemi avec la défense, le prochain pouvoir. Ouais, non, ouais, c'est notre groupé. Ah là, c'est. Pou, 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 pou. C'est plus. C'est les munitions de. C'est le coup par coup là. On peut aller faire la. Ah oui, putain, oui, en effet, tu fais des gros trucs là. On peut aller faire la quête en bas. Tu gros ça au. Je pense pas que ce soit super intéressant parce qu'ils font pas plus de dégâts. Je pense que c'est un peu nul comme upgrade. Mais peut-être que les bénédictions d'après seront bien, je sais pas. Ah, c'est le bolter là, je suis passé en bolter là. Je suis passé de Uzi à bolter là. le joueur de foot Space Marine. Bah, le même Power Children. Ok, vas-y, je vais chercher les briques. Ah, j'en ai trouvé une là. J'en ai une. Ah, tu vas dans la mine ? Ouais, bah ouais, pour aller chercher les pierres, pour la quête. Ça paraît logique. Oula, oula, oua ! Ce que j'ai pris, frérot ! My God ! Non ! Adieu ! Ouah ! Tu pourras me raise, tu pourras me raise. Ouais.
Non, non, non. Ouais, fume-les le plus vite possible. I am not afraid. Oh, t'es un ouf. Merci. Ah, le hook, il fait drôle, hein. Je vais récupérer les cailloux. Cailloux. Une tuile. Ah, mais vas-y, le hook, il casse trop les couilles. Des bisous à Ted, hein, mais... Oui, en effet, il fait... Ah oui, d'accord, ok. Allez, il rigole pas du tout hein, avec le hook. Hein, bien lui. Les pudges, là. Ouais, faut vraiment dodge instant. Oh, attention. C'est vraiment un punch de Dota, lui. Il nous reste 2 minutes pour les cailloux, faut qu'on aille vite. Cailloux ! Vas-y, va en bas, je suis déjà en train de ramasser. Hop, t'as combien de pierres ? J'en ai 3. Oh, il nous en faut encore 2 de plus. Magnifique. Bah là, c'est bon. Là. Hop, on se dépêche devant la maison. Et on construit la maison. Cailloux. Monsieur. Tiens, on construit une maison pour qu'il la défende. Alors qu'avant il y avait rien du tout. Juste rien du tout, ça me fume. Oh. Pardon. C'est dommage que tu les pousses. Oui, faut que j'arrête de faire ça. Oh non, je suis en toile, entravé. Nya, nya. Ah bah on a mieux géré que tout à l'heure. Faut qu'on parle, alors le point... The Stone House stands. On behalf of the survivors of Hoxton, I extend our gratitude. Oh, je vais prendre j'ai un exécute à 10% HP. On peut aller zoner autour du boss, hein. Le boss rouge là. Allez, let's go. On trouve la clé. Tis a strange way to travel, but it is swift. Pas trop à quel range elle peut être la clé. Tu cherches une clé. Ah, j'ai trouvé la tour qu'on a vue tout à l'heure qui fait des dégâts au boss là. Ouais, on s'en fout en vrai. La clé elle peut être n'importe où là. Il faut qu'elle soit dans cette zone forcément. Non, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Je vais décaler vers les sous rouges là. Comme ça, on va faire mon truc. Y'a pas un timbre pour la récompense du livre. Ah, y'a le coffre rouge là où je suis.
Ça, c'est bien ça. Tiens, je t'ai fait une zone là. Oh, c'est joli. Ah. Oh là, les... petit bâtard. Y'a pas une, un truc de soin, pas loin? Si, juste au-dessus. Bah, je vais y aller, hein. Parce que moi, là, j'ai un HP, là. Oh putain, je suis en combat. Oh, ça sent la mort. Je casse. J'arrive, j'arrive. Go faire le... la fontaine. Oh putain, mais d'accord, il y a beaucoup. Oh, ah, oui, y a vraiment du monde. Oh no. Oh. Putain, je suis trop con. Ça va être chaud là. Ah putain, t'as tellement pas de cul avec le hook. Oh. Oh. Oh, let's go. Yeah, merci, bro. Putain, quel chad. Oh, mais okay. Putain. Je prends plein un truc, quoi. Allez, stun. Bon bah, ah coup, bah super le heal. Ah, j'ai pas encore le choix avec mon deuxième ulti, c'est un certain rang je l'aurai du coup. Vas-y, okay. Go le prendre, il faut qu'on fasse au moins le coffre rouge. Ouais. On est pas vraiment en avance là. Non, on est pas ouf. Parce que j'ai pris. Final Requiem. Ok, on peut l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a ? J'arrive pas à ouvrir ! Mon ult ! Une charge à la défense, réduit 25% la récupération de la ruée. On va aller faire les sous en haut. Par là. Allez, stun. Ouais. Voilà. T'as tellement de mannequins. Et... on veut qu'on tue le dernier, là. Ok, on est 4 seul. 2 minutes 44. Go, ah, go taper un tout droit vers le sud. Go taper un tout droit vers le sud. Et, histoire qu'on peut-être on trouve un bouquin ou un coffre en plus, ce serait cool. Ok. Ah putain, c'est vrai que je peux reroll, j'oublie tout le temps. Ah, là j'ai le bouquin rouge. Oh non, mais... Essaie de venir vite et idéalement hors combat. Vas-y, viens vite, viens vite, viens vite. Je suis en combat, là. T'inquiète, bah viens vite. Rush. Hop là. My little scoundrel
scoundrels, it's time to test your mettle. Oula, 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 je suis entravé. Allez, on peut le faire. Ah putain, les grilles, les racines, je les vois pas bien arriver encore. Hein. Ah mais vas-y, je les prends toutes, au secours, j'ai envie de canner. La reine au milieu, elle est stun. Je vais chercher le son pour toi. Merci. Il nous reste l'araignée en haut. Il reste 12 secondes pour tout tuer. Let's go. Jouer. Comment on reroll? Ah, c'est ça. Là, okay. À côté. Non, non, j'ai pas besoin. On va faire des dégâts là. Là, je monte de damage, moi. C'est terrible. 54 secondes. Bon, je peux espérer être malade, la thune là. On va. Vrai, le shop Ouais. J'allais dire de. Non, le shop, on en aura un en sortie. Juste go faire de l'XP à fond. La récompense du premier bouquin à prendre. Quoi? Il y a une récompense que t'as pas prise? Ah ouais, apparemment. Ça va être un peu tard là, malheureusement. Oh putain, j'étais devant. Oh, fais chier. Je crois que c'était ça, hein. C'était là où j'allais. Aucune idée. En fait, le souci, c'est que quand tu prends la récompense, tu la vois plus. Donc, si t'as oublié de la prendre. Ça fait chier. Après, c'était la récompense du bouquin vert ou du bouquin rouge que t'as oublié? Je sais pas. Je saurais pas faire la vie. Oh l'enfer. Oh le start est dur. Oh mais sa mère! Oh ce que j'ai pris! Je plume, hein. Je plume là franchement mec. Quand je suis arrivé, j'avais peu de vie, c'est l'angoisse. Hein. Ce qu'il méritait, lui. Ouais, il a pris. Ah putain. Tentacules, ils sont relous à dodge. Ah, vas-y. Aïe. Okay. Au secours. Oh okay. Allez, mange. Ouf, c'était chaud là. Ah, je suis désolé, j'ai consommé une pub. Oh, c'est pas grave, hein. Je crois qu'on a fait un round où on a surtout gagné plus de thunes qu'autre chose. Ah, moi je galère. Avec j'ai l'impression de faire moins de dégâts que tout à l'heure, beaucoup moins. Ouais, si t'as pas mis. En vrai, y a le shotgun, ça a l'air de faire des dégâts de fou. Après. It is a pleasure to see you again. Ouh, j'ai un truc très intéressant. Ah oui, on a 800 gold. Ouais. Interesting. Ah oui, octroie force. Ok, je suis prêt.
Ah, are you absolutely sure about that? Ok, je suis prêt aussi. Ça part. Ça part. Go le coffre vert. Je vais faire full horde de rats, moi. Par contre, j'aurais dû prendre le talent qui fait exploser les rats, je pense. Go au coffre. On peut prendre la foule. On peut préparer la fontaine à la rigueur. On sait pas oui, si oui. La... I have a song for every occasion. Ça doit être non, c'est ouvert. Ah, c'est pas encore ouvert. Ouais, ils sont relous à ce TP. Ouais. Alors, les armes de Santa 3 fins, c'est plus. Ah, ça va infliger plus 15% de dégâts au boss. Bah oui, hein. Pas mal. Le truc vert, le puits vert, on va l'ignorer, on va aller directement. On va chercher des trucs. Hein, parce que là, on a tellement pas d'infos. Ou alors on peut rusher la quête à la rigueur. On va faire chacun. OMG, les dégâts, pitié. On va faire chacun route à part. Ouais. Je vais rusher la quête. Moi je vais aller à la. Oui, là. Ouais, ça marche. Pourquoi je peux pas me TP? C'était un combat. C'est bon. Hop. Ça va mieux. Ah, much better. Tu veux que j'aille où du coup? Je te rejoins. Oula, il y a un boss sur moi, je crois. Non, t'inquiète. Ça, on s'en fout d'ici. Juste explore la zone, il faut qu'on trouve des trucs. Le puits que tu essaies de faire, c'est un peu nul. Je sais pas, je suis en train de faire un gros loup-garou vénère là, je me dis. Talent. J'explore ailleurs du coup. Oui, il faut qu'on trouve des zones. Tu trouvais un puits? Un truc de ouais, bah vas-y, fais l'œil. Si tu sembles le faire tout seul, vas-y. L'œil? Ouais. C'est-à-dire? Bah, l'œil là, t'as un œil juste à côté de toi. Ah oui, je vais essayer. On va essayer, ça va être laborieux, mais ouais, j'ai besoin d'aide. Bon, dans ce cas-là, essaie de venir vers moi. Là. Il y a tellement d'ennemis au secours. J'ai le TP. Dès que tu peux te TP, fais-le. Ok. Ouais, j'aurais pas besoin. Surtout que je pourrais pas en vrai. Let's go.
qui les heal. Je sais pas lequel. Oh la vache. Ça dégage. Ok. Un peu tôt pour la quête, je pense, mais good luck. Ah bon? De l'argent. L'argent. Ou j'aime pas lui. J'entends le joueur de foot. Ouais, j'ai fumé un des petits grands vizirs là. Oh, il a les stun. C'est bon, c'est bon. Ah oui, il a dodge au dernier moment, le petit salaud. C'est la même. Ouais. Polyphène. Il va se bouffer. Nickel. Là. Il me bouffe. Ouais, c'est bon. Faut tout éviter de se faire bouffer de même. Mais bon, les dégâts. Ouais, il t'a ouvert. Ouais. C'est chaud là. Non. Nickel. Ah oui, ça fait des petits trucs. Ah vas-y, casse les couilles. Oh bah il m'a mangé. Ah merde, t'es mort? Non. Ah bah oui. Ouais, du coup on est obligé de claquer la plume. Ouais. Ouais, il est mort. Il va bouffer le deuxième. Fais gaffe, hein. Attention, il va bouffer quelqu'un. Oh, quoi? Hein? Va voir, s'il vous plaît. Je me sens tellement arnaqué. Ah, il t'a eu à ça? Ah, il m'a eu, mais j'étais au bout de... Attends, j'ai failli crever. Laissez-moi. Putain, c'est cool d'avoir deux dodge. Hein. Oh la blague. Oh vas-y, je suis trop bien. Non, je craque. Il faut qu'on verse. Ok. Maintenant, ah, putain. Faut tout mettre. Oh, tu mens. C'est le pire moment. Ouais, je sais. Je sais que c'est le pire moment. On va le voir. Non. Il va bouffer le mec. Ouais, mais tu vois, moi. T'inquiète. Ah putain. J'ai pris vraiment les. Oh putain de merde. Oh, je suis pas mort, heureusement. Wouh. Quoi? Mais c'est quoi ça? Et ça sort d'où cette attaque? C'est la première fois que je la vois. Eh bah, let's go. J'ai pris ça. Pouvoir, là. Attends. Tiens bon. Moi, je vais le tenter. Je suis mort là. Hein. Non. Oh, c'est beau. Putain, t'as tenu, bravo. Oh!
Allez. Putain. Oh, quelle horreur. Oh, la lutte. Putain, de zéro lutte. Ouais. Il faut qu'on se casse. Pouvoir jouer 5, non. On va à l'œil, on va à l'œil. On est trop trop en retard là. Ouah, c'était rude. Hein. Ouais, je sais pas, sur cette run, j'ai peut-être pas pris les bons talents. Je me sens tellement à poil. Du coup. Final Requiem. Ok. N'est pas bien. Non. Ok, go coffre jaune. D'accord. Prendre la fontaine pour avoir les HP. C'est un tueur de run, lui. Ouais, bah je veux bien comprendre pourquoi. Après, tout à l'heure, on l'a géré en first try, hein, mais là... Ouais. Moi, j'étais moins à l'aise, là. Par là. Livre rouge, ça se tente en vrai. On peut faire livre rouge, coffre rouge, si on est assez rapide. Ok. Ah. Pardon, je sais pas pourquoi je le fais à chaque fois. Pas très malin de je sais pas, genre rester dans le lance-flamme. T'as fait un câlin là-haut. Ah là, je me suis baigné. C'est une stratégie quand même. Oui, stratégie de mort. Ok, faut qu'on rentre et qu'on lance l'événement. Événement lancé. Fait du bien. Heureusement, je crois que faut qu'on le pète vite. On a réussi. Ouais, je les ai burstés. Ouais, joli, joli. Ah, les attaques de rats, c'est bien ça. Coffre rouge. Allez, let's go. Tu peux pas faire ça? Non, c'est pour le boss. Et pour que le boss il perde 20% HP, il vaut mieux qu'on gagne en puissance. T'es là? Ouais, je suis là. Ouais.
Ok. C'est vrai qu'il y a pas mal de huile. Hein. J'ai 3 dashs. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Il nous reste 2 minutes. Puis au souhait. Livre jaune, livre jaune, livre jaune. Ok. Vroom! There is always a strange car right before the experiment goes wrong. On pourra pas lancer les noms parce qu'on a un combat. Ah si, je lance. Ah non. Faut qu'on clean ça d'abord. You can never have too many friends. Allez, dégage. Rentre. Je lance. Des câbles. My little scoundrels, it's time to test your mettle. Ouah, ce que j'ai pris. Le câble. Ok. Moi je prends du damage. Hein. Pas possible. Moi je bourre les damage. On peut aller chercher le truc de soin en haut pour avoir des HP max. C'est vrai que c'est con de cracher dessus. Moi j'ai déjà pris. Ok. On va essayer de chercher un truc ou XP. Aller acheter hein. Tu peux aller acheter si tu veux. Moi, je dépenserai après le boss. Je peux pas me TP. Pourquoi je peux pas me TP? Ah c'est bon. Ah c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah j'ai trouvé l'endroit où on peut acheter des plumes, c'est quoi j'ai... Ah bah non je peux pas. Ah on est en combat. Ah c'est trop risqué. Dommage. J'allais pouvoir acheter une plume. Dommage. Okay. Celui-là, Je me suis full heal parce que j'étais pas bien. Hein. C'est la run compliquée. Hein. Ouais, ça croche. Oh sa mère. What the fuck les damage. Quoi, on va ouais, utiliser ouais, sa période ouais. De vulnérabilité, tranquille. Merci. On perd du DPS, mais... Attention, il va tourner direct. Ah, ça va. Quoi? J'ai dodge. J'ai dodge dedans, je suis mort. Tu peux pas le traverser avec le dodge. Je savais pas. Ma mère. Merci. Oh, je suis mort. J'ai fait la même que toi. Je vais utiliser une plume. Non, je
pouvais tenter. Non, il y a trop d'œil là. Encore tous les yeux et tout. Non ! Ça fait ! Ah, quel enfer ! Ah, c'est vraiment la run de la tristesse là. Ah ouais, c'est dur qu'on puisse pas dodge le truc au milieu. Hein. Ah, mais qu'est-ce que ça fait ? Pourquoi tu utilises la plume ? Quoi ? Pourquoi tu utilises la plume ? J'ai appuyé ? Bah oui. Oh, j'ai appuyé. Bah écoute, mec, j'ai mis ce clic, je suis désolé. Ah ouais, oh là. Ah ouais, là. C'est dur là. Ah là, là. Là, j'y mets du mien là. Hein. Si j'y mets pas du mien, c'est sûr qu'on va pas y arriver. Alors, j'ai littéralement, je crois que mon doigt était sur la touche espace et du coup, j'ai mis ce clic. Allez, hein. Hey. L'imposteur. Au moins, si on y arrive, c'est que c'est beau. Hein. L'imposteur. Oh putain. T'as pas mis ce clic, le timer est arrivé à la fin avant la fin du reste d'Eventis. Ah ouais? Ah, apparemment, le chat me dit c'est pas moi, ça réseauto à la fin du timer. D'accord. Ah, mais attends, mais tu viens de mourir. Bah, je sais pas. On était loin des 30 secondes. Non, mais j'étais mort avant. Peut-être ce timer était en commun. Je sais pas. I don't know, man. It is a pleasure to see you again. Je vais prendre le truc qui fait plus 15% de dégâts au boss. Hein. Je pense qu'on en va avoir besoin. Ok, nickel. Ok, j'ai dépensé. Ça va être dur. Ça va être dur. Merde. Ah, I can see you've thought this over carefully. Allez, ça part. Fortissimo. Un coffre vert juste à côté. On va aller chercher. We've still much work to do. Ça va là les dégâts ? Ça va. Il rigole pas hein. Ok. Bah arraché. De la thune là. L'argent. La thune. Donne l'argent. Il est vrai. Et peu. On remonte à la droite. Ouais. C'est quoi, je vais me TP directement. Hop là. Il y a un bouquin ici. J'arrive.
sympa. J'arrive, je m'en prends une dans la gueule direct. Oh, j'aime pas. Oh, j'aime pas. Oh, c'est un cauchemar. Oh bah let's go. Allez hop là. Oh frérot, c'est quoi cette zone? Wouah. Tellement de haut dès le début. Pourtant c'est le livre vert. Hein. Ah ouais. Rez. Ah, il est trop bien. Wouah, ton perso il est incroyable pour Rez. Merci. Il reste 10 secondes pour tuer les trucs. Non mais ça va là, c'est bon lui là, il fait que taper comme un débile. Aïe. Quoi? Oh vas-y, c'est... Ouais ok, allez. Hein. Ça va être la run bonne nuit. Hein. Ah on essaye. Hein. C'est vraiment... J'ai l'impression que je joue moins bien au jeu depuis que je t'ai joué. La première run qui était... La première run, je jouais parfaitement. Je faisais des bons choix de trucs et tout. Deuxième run, oh je t'ai jeté un autre build. On va. C'est vrai que les plumes utilisées et tout, c'est dur. Ouais. Mais j'ai 3 dodge. C'est pas mal. C'est super. Bien. Pas mal, vraiment. C'est énorme. Maintenant, il faut dodge avec tes dodge. J'ai pu faire des dégâts un peu aussi. Ah oui. Faut arrêter de se prendre les doigts dans le pipi. Ah ouais, là, c'est... Oh, il est gentil, le loup. Ouais, le loup, il te regarde. Il est trop sympa, le loup. Vraiment, il t'en... Allez, quel ref. Allez, reste à carpette, là, c'est bon. I am helping. C'était plus rigolo le build avec le shotgun en bouclant. Ah puis c'est surtout en termes de dégâts, tu peux gérer ah bah, les trucs. C'est là, pas la ce même. Que t'as fait comme build mais... De la merde. Et j'ai voulu faire un build basé sur le E mais en fait le cooldown est trop grand. Et y'a rien qui réduit mon cooldown. Du coup c'est de la merde. De la chiasse. C'est du gros cax. Voilà, voilà mon build, c'est du gros cax. Pas mal. Build de cax. Gros build cax là. On va aller faire le bouquin jaune. T'es prêt? Allez, voilà. Tu l'as. Allez, on meurt pas. Viens avec moi. Je dois bourrer le truc. Allez hop. Écoute, allez, on relance une run parce que là c'était terrible. Ah non, moi il faut que j'aille coucher, bon. 23h30. Oui, il faut que je rentre. Allez, je suis en live depuis 15h moi. Ah oui, calme-toi. Je vois les stats. Pas mal. J'étais... Alors... Ouais. ouais, c'était pas clair. Hein. 12 portes de la mort, hein. Je suis le top player là sur les portes de la mort. Non mais par contre j'ai trop envie de rejouer mais avec un groupe déjà avec un peu plus de concentration là sur cette deuxième run. Non mais sur la première run ça allait. Là la deuxième c'était terrible. Ouais non c'est vrai que la première run... Putain quand t'as un build de merde du coup tu te mets plus en danger parce que tu t'essayes de plus DPS mais vas-y ouais, c'est terrible. Ce qui est terrible dans le jeu c'est que c'est le snowball inversé, c'est quand t'as un build de merde du coup les éléments t'arrives plus à les faire, du coup t'arrives plus à monter. Ah ouais c'est terrible. Oh là 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 là, j'étais dans le lave-vaisselle. Ouais, j'ai vu ça. Le lave-vaisselle était total. Attends, nouvelle découverte du coup, Rose éternelle. Après ruée, octroie 10% de chance de crit. Ah, j'aurais dû faire un build comme ça en fait. Le spécial inflige plus de dégâts, c'était nul.
Ouais, tout était nul, hein, globalement. non, mais en vrai, la première run, j'ai choisi les trucs bien. Les rats qui font plus de dégâts et le shotgun. Deux trucs étaient bien. C'est vrai qu'au moment dès qu'on avait besoin de burst quelque chose, il y avait du. Après. Ça tombait, ouais. Après, il y avait aussi le délire où moi je jouais DPS, toi aussi, du coup, on arrivait à kill plus facilement. Là, mon perso, c'était une sorte de semi-tank chelou. Je l'ai peut-être pas joué de la meilleure manière, moi non plus. Mais bon, moi, je crevais pas. Oui. Bâtard. Moi je connais pas, sale merde. Ah, qu'est-ce que je te dise. Ah par contre ouais, il y a tellement de trucs verrouillés. En légendaire j'en ai que 4. Ouais non mais ouais, c'est vrai que ça donne envie d'explorer pour avoir plus de bénédictions ouais. Ah faut tester avec Maf. Qui ferait de fou. Ouais Maf je pense qu'il est vrai. Ah ouais c'est sûr. Alors, on essaiera de faire un petit lobby toi. Maf et Pressea si elle accepte de jouer avec nous parce qu'apparemment. Non mais après on peut. Après tranquille, hein. Il y a d'autres copains qui seraient chauds. Bah oui connard. C'est vrai. Je pense clairement. Hein. Surtout tu as des effets spéciaux, tu as X fois les mêmes items. Ah oui, d'accord. Okay, ah oui, faut bourrer les mêmes items. Ah oui en effet, faut bourrer les mêmes items pour savoir. Ok. Ouais, faudra tester. Mais en tout cas, merci pour la découverte, c'était très cool. Franchement, j'ai bien apprécié. C'était bien sympa, Raven's Watch. Bonne expérience. En effet, si t'aimes bien Hades, c'est réellement le Hades co-op, quoi. C'est ouais. Cool. C'est cool. Je suis curieux de retest avec un full group. J'avoue que ça doit être le bordel, par contre, à l'écran. Des fois, tu vas vraiment rien comprendre. Il doit y avoir ouais, mais facteur. Au moins, tu vois, genre, par exemple, quand tu joues ton perso, là, qui avec la zone... Littéralement, quand t'es à 4, tu peux jouer le build que t'as fait parce qu'en fait, t'as un build support très efficace où tu groupes tout le monde, tu leur mets l'affaiblissement, puis ouais. Les autres ils jouent DPS et ça bourre quoi. Non, mais je faisais ça tout à l'heure en fait aussi. Hein. Ouais, mais aussi, plus, c'est que. Je faisais du DPS. Ouais, mais le souci c'est qu'on était. Oui, mais tout à l'heure, oui, c'est vrai que tu le faisais aussi. Ouais. Ouais, je le faisais aussi, hein. C'est pour ça qu'il était vraiment mieux le build tout à l'heure. Ouais, bref, sois meilleur quoi. Bon bah, mec. Merci pour les petites games et le vocal tout à l'heure, c'était très cool. Des gros bisous et des bisous. Bah à la écoute, prochaine. À mardi. Vas-y. À mardi, des bisous. Bye. Bye. Merci à le Harfang, merci pour l'année de sub. C'est pas grand chose, mais c'est une petite façon de te montrer que j'adore toujours autant ton stream. Merci d'avoir la pêche et d'amener la bonne humeur. Merci beaucoup. Merci à toi, le Harfang. C'est gentil. Merci Artic pour les 35 mois aussi. Yellow Ones pour les 27 mois en tier 3. Pierrot TV pour le Prime. Karat pour les 16 mois. Umare Takira, merci pour les 20 mois de soutien bientôt les 2 ans. Merci beaucoup. Walter Ogwin pour les 82 mois. Il a l'air super cool ce petit jeu. En tout cas, ravi de toujours te suivre. Le contenu est AlphaCast. Et AlphaCast Dente. Ah oui, putain, t'es allé chercher loin. Merci beaucoup. Merci Rodeo pour les 38 mois aussi. Zirking. Mnerosis. Eleghost. Floppish. Shidate, merci pour les 55 mois aussi. Merci Supernova pour les 5 mois. Tata Yolo, merci aussi pour les 2 mois. Sibella pour les 22 mois. Nozette pour les 9 mois. Wolf Effect pour les 29. Velkrios aussi. Raskev. Mindrias. Yoshikuri, merci beaucoup. Shikin Sensei aussi. Machete pour les 6 mois. Matisse tout simplement pour les 13 mois. Laser pour les 32 mois. Isvel, merci. Tirkos. Zaxon. Zerdrix. Et Ostro, merci pour les 30 mois. Les amis, je vais vous laisser ici pour ce soir. C'était un gros stream aujourd'hui, très très cool. On a fait de la peinture, on a testé Voyn, on a testé Raven's Watch. Plein de petits jeux bien sympas. J'espère que ça vous a plu. En attendant, moi je vais vous laisser ici. Je vais aller me préparer dodo, rentrer tout ça. Je dois un peu ranger aussi. En attendant, je vous retrouve. Alors je vous retrouve peut-être demain après-midi. Je vous tiens au courant. Il y a moyen que je stream demain après-midi. Ensuite je devrais couper vers 19h30, j'ai un entraînement 40k. Mardi je serai off, mercredi soir cependant je serai en live, donc je vous tiens au jus vis-à-vis de ça. Normalement ouais, je vais voir, on va certainement faire des lives avec les copains cette semaine, parce que ouais, demain soir je suis off. Mercredi soir je serai en stream, et vendredi après-midi je serai en stream. Ce sera un live un peu, cette semaine elle sera un peu calme en termes de live, mais il y en aura quelques-uns, donc voilà, je vous tiens au jus quoi qu'il arrive. En attendant, merci à vous d'avoir été présents aujourd'hui. N'hésitez pas à checker !oldskern avec mon code AlphaCast si vous voulez vous acheter bijoux, montres, lunettes, etc. Un cadeau pour un proche. Il y a des très jolies choses sur le site. Vous pouvez checker mon lien directement sous le panel ou
point d'exclamation Oscar dans le chat. En attendant, je vous laisse ici, je vous fais des bisous et je vous retrouve du coup potentiellement demain après-midi. Voilà, un petit castor ou diplomatie demain. Ah, j'avoue que diplomatie not an option, c'était sympa. Peut-être on en refait, on verra. On verra. Je vous tiens au jus quoi qu'il arrive. On va raid un copain. Qui est-ce qu'on va raid ? Titou, titou, titou. Ben, je vais vous envoyer chez... je vous envoie chez Kamak. Allez hop. Il est sur Star Citizen. Ce que j'aimerais bien un jour qu'il fasse, c'est qu'il y ait un espèce de journal. Ça va être beau. Que tu puisses voir qu'est-ce qui s'est... Ça va être beau. Il est sur Star Citizen. Des bisous. Bonne nuit à tous. Ciao. Et merci à Ragdoyle pour les 5 mois de soutien.